Bonjour, bonjour les amis. Salut. Alors je sais à quel point ça vous fait mal d'avoir un collègue instruit, mais parfois le matin je lis les pages scientifiques du Monde en écoutant de la musique de type reggaeton devant une tartine de pain frais sur laquelle j'ai apposé de la confiture de nèfle. Putain, j'aime la vie, c'est comme ça, j'aime la vie, je vais pas m'excuser, j'aime la vie. Toujours est-il qu'en lisant hier un article sur l'hypothalamus des souris dans le Monde d'hier, je me disais, c'est fou que les progrès de la médecine, en fait, c'est toujours les souris qui en profitent en premier. Tu trouves ça juste? C'est vrai, chez les souris, ça fait 10 piges qu'il n'y a plus de cancer et tout, ça fume clope sur clope, ça isole sa cage à l'amiante, c'est glyphosate matin, midi, soir dans les bégonias. C'est vrai, la science sauve des tas de souris, alors qu'on ne sait pas du tout si c'est des gens bien en tant que souris. Peut-être dans le tas, il y a des gens qui disent ils croivent, etc. Alors, c'est vraiment. Alors, mais pourquoi je vous parle de cette injustice entre mammifères à organes durs et à poils mous? Eh bien, parce que dans le Monde d'hier, des chercheurs affirmaient que chez la souris mâle, séduction et agression étaient activés dans la même zone de l'hypothalamus, avec cette question en filigrane: quel avenir pour Catherine Deneuve dans le cinéma français? Alors là, il y a Nagui, ah non, pas la tribune des sans fin, mais oh, s'il te plaît, c'est touchy comme sujet, je suis Nagui, je suis pas Michel Pollack et tout, faut du fun, faut du léger, tu veux pas refaire des blagues sur le cancer, n'importe quoi, la mort de Coluche, Barça PSG, Désirless, ce que tu veux, mais pas ça. Alors je sais que le sujet est explosif, Nagui. Et croyez bien que je pensais rester à l'écart du débat vu mon profil, homme, blanc, hétérosexuel, la soixantaine, les cheveux souples, une peau douce bien qu'imparfaite, et une hostilité notoire envers les souris. Mais comme le disait très justement Simone de Beauvoir avant-hier dans son statut Facebook, ce qui manque au féminisme moderne, c'est vraiment l'avis de Guillermo Guise, quoi, évidemment. Gros buzz, 62 likes, 13 j'adore, 5 émoticônes mou dubitatif, ça a été vraiment un gros succès. Du coup, je le sais, je suis le grand absent des débats. Hein. J'ai refusé de répondre à tous les grands médias français qui me harcèlent, le journal du motard, Gulli News, hier encore le blog de Noël Mamère. C'est ce que Noël, ma mère, me disait. Il me disait: Ernesto, la France a besoin d'une boussole morale. Et je lui disais: mais pourquoi vous ne demandez pas à Daniel Morin? Et il m'a fait: parce que la boussole de Morin indique toujours la même direction, le sud de Fleury-Mérogis. Donc voilà, je sors enfin du bois. Par contre, je vais essayer d'être le plus nuancé possible dans s'il mes positions. Plaît, s'il te plaît. Du coup, cette chronique va durer 55 minutes. Elle sera suivie d'un débat co-animé par Lélie Kadour-Baudali et Elisabeth Lévy, puis d'une séance d'insultes-réponses sur Twitter, où chaque internaute pourra spéculer sur la profession de ma maman en 285. Alors, désolé pour Mélanie Doutet, donc, qui va devoir assurer sa promo dans l'émission suivante, malheureusement, carnet de campagne. Voilà. Ceci dit, si vous avez des dates de tournée dans l'Essonne, il y a un coup à jouer, vraiment. Et justement, avant de commencer cette chronique et de livrer mon opinion, je vite une incise pour rappeler à Mélanie qu'on s'est rencontrés il y a 4 ans à la radio belge. C'était toi? Elle allait se faire: putain, mais ouais, c'est le relou de Bruxelles, il y a une sortie de secours. Call 911. À l'époque, en effet, j'avais fait une chronique qui disait en gros: oser sortir avec un bruxellois. Et ça avait été un très très gros impact sur vous. La preuve, pas de nouvelles depuis 4 ans. 4 ans à mûrir votre décision, à peser le pour, le contre. Est-ce que j'y vais pas, il est belge, tout le monde va se moquer, etc. C'est tout à votre honneur. Vous prenez pas notre histoire à la légère, Mélanie. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Ça, et la fois où quelqu'un m'avait dit que je ressemblais à la doublure lumière d'Ashton Kutcher. Donc vraiment, inoubliable, Mélanie. Et merci pour tout. Mais vraiment, pour revenir à l'hypothalamus des souris et commencer cette chronique, agression, séduction, je vous conseille vraiment de lire Le Monde d'hier, puis d'enchaîner avec les deux pages sur l'expression du désir et l'opposition nature-culture dans l'intériorisation des normes sexuelles. Putain, c'était vraiment captivant. Si j'avais 5 minutes, je vous en ferai une chronique. Allez, bonne émission. Merci, Guillaume.